Messieurs des listes, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'ouverture. Vous en doutez, titre, miniature, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de la display. Hop, elle était pas dans le bon sens. L'ascension du Duelist, elle est scellée. J'ai beaucoup trop hâte de l'ouvrir. À l'intérieur de cette extension, on va retrouver l'arrivée des Dogmatica et des Melfi. C'est vraiment des cartes intéressantes qui sont tout simplement de l'import OCG. Le support Gaia, je sais pas si ça sera fort, mais en tout cas, c'est cool pour les joueurs rétro. Le support Chevalier Noble qui était sorti initialement dans Toon Chaos. Donc, c'est vraiment quelque chose comme 2 ou 3 displays grand maximum. C'est très récent, donc ça fait plaisir que ça arrive aussitôt. On va voir du support Ange Déchu, on va voir du support Peluchimal. Alors le support Peluchimal, ça fait plaisir. Le deck, il est joli, il est fort, il est puissant et il reçoit du support. Que demande le peuple? Pas grand chose pour qu'il devienne méta, et ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Un nouveau Gizmec, la carte talent des triples tactiques, ça c'est une carte incroyable. Elle est juste beaucoup trop forte, vous allez la voir pop dans toutes les decklists méta, j'en suis pratiquement certain. Des trucs dont vous vous foutez un petit peu, mais il y a également une Xyz Rika, moi je joue Rika, donc ça me fait plaisir. Il y a de la Damantia, il y a du Matmec, et j'en passe énormément. Est-ce que j'oublierai pas quelque chose, moi, dans cette présentation? Eh bien oui, dans cette display, il y a 5 Starlight, je vous les affiche actuellement à l'écran. Je les mentionne en rigolant, simplement parce que sur la vidéo Bataille de Légende, Armageddon, j'ai oublié de mentionner le Thousand Ice Dragon, je sais pas quoi. De toute façon, il y avait très peu de chances que je le fasse tomber. J'espère que toutes les infos de cette vidéo sont complètes. Si jamais c'est pas le cas, vous pouvez me lyncher dans les commentaires, il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si cette vidéo d'ouverture vous plaît, vous lâchez votre meilleur pouce, votre abonnement, votre commentaire. Souhaitez-moi bonne chance, on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra et on s'ouvre cette display. Let's go! Ok, donc j'ai tout prévu, le petit ciseau qui va bien, tac, et on se craque cette display. J'ai beaucoup trop hâte, j'espère faire tomber la petite magie talente triple tactique, là ça me ferait quand même pas mal plaisir. Et après globalement, le Peluchimal. Le Peluchimal me ferait plaisir parce que je joue déjà Peluchimal. La Xyz Rika me ferait plaisir aussi. Après, sur le principe, je demande pas grand chose. Main du Tonnerre, du Dogmatica. Diamètre Matmec, ça fait partie du... Ah, mais le Revengeur Mechabot, c'est les cartes qu'on a eues dans les collections légendaires 2, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien juste ici de l'ouverture que j'ai pu faire. Bon, qu'est-ce que je disais? Je voulais la Xyz Rika, et bien elle tombe, ça fait extrêmement plaisir. Donc une rareté par booster, robot endormeur, soulèvement de l'ange déchu, carte Gardena Potartiste, et le notion Waouh! C'est quoi le nom de cette carte-là? Nation Dogmatica. Je sens que Dogmatica, je vais avoir beaucoup de mal à le lire et que vous allez encore bien vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Mais bon, c'est le jeu. Alors, du Melfi. Du Potan Rouge. Revengeur Mechabot. Je sens que lui va tomber à gogo, je le sens. Main du Tonnerre. Derrière, on a du Repdraptor qui fait plaisir. On a Cercle du Dragon Divin. Décharge Spirale. Découpé. Et Corne d'Oliphane. Alors ça, ça fait quoi? Ok, c'est pour les Wyrms. J'ai vu Dragon, je me suis dit peut-être c'est du support pour Rocket. Eh bien non, c'est pour les Wyrms. Perdu, mais c'est pas grave. On a quand même plein de cartes qui sont cool, qui sortent régulièrement. Du Matmec, du Melfi. Les cartes Melfi sont incroyables. Je sens que ma copine va me les voler, c'est presque sûr. Du Ange Déchu, qui fait plaisir. Du Mégalithe. Oh, oh, Albaz le Déchu. Elle est incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Première secrète au bout de 3 boosters. Je suis content. Jarfroureur, Potartiste, Fusion Spirale et Acteur des Abysses. Alors normalement les ratios d'ouverture de ces boosters, c'est quelque chose comme 2 secrets, 4 ultra et quelques super, je ne sais pas vraiment le ratio. Mais sachant qu'il y a plus de rares, je crois, dans ces boosters-là, puisque c'est une édition principale. Donc voilà, Ange Déchu gâté, avec les petites cornes qui ne sont pas censurées et la petite auréole qui n'est pas censurée non plus. Ange Déchu Nergal, du Lapis Melfi. Dragon, Malédiction de Dragon, le Dragon Maudit, du Draconier Rangement. Ok, ça fait plaisir, c'est une super. De l'arme infernoble, jarre froureur, de la confrontation dogmatica et des charges spirales. C'est vrai que pour le coup, je m'attendais pas à avoir une secrète aussi vite. Elle est vraiment tombée super vite. Habituellement, ça traîne un petit peu à l'ouverture. Oh, baleine cruelle froueur. Ça me fait plaisir. Je suis content de la faire tomber. Pony Melfi, du chevalier noble, le Mogis ou Mogis, je ne sais pas. Et derrière, on a Astolfo, le chevalier noble inferno. Fête Yaminable, je sais pas ce que fait mon macro, il pète un plomb depuis tout à l'heure, je suis désolé. Tac, est-ce que tu veux bien refaire le macro correctement? Voilà, très bien, Renaissance Spirale. Des cartes pour les guerriers anciens, c'est vrai qu'il y a du support guerrier ancien, du jeu du loup Melfi et maison du Melfi. J'ai l'impression que les cartes se suivent vachement dans les boosters. Vous voyez, on a eu 2 Infernobles, on a eu 2 Melfi à la suite, je me rends pas compte, j'ai l'impression que ça se suit. Ange Déchu Capricieux, Captain Roland.
Alfado, Astolfo, et les noms vraiment, c'est de pire en pire. Le Dogmatica Nexus, et derrière, on a le Soldat Gaïa, le Chevalier Impeccable. Elle est vraiment très belle, cette carte. Elle est vraiment très très belle, c'est incroyable. Le petit cloche lien, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Incroyable. De l'Inferno, du Guerrier Ancien, et le Cercle du Dragon Divin. Franchement, elle est vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve super jolie. Donc, je suis content. Pas grand-chose à dire de plus. Malédiction du dragon, le dragon maudit. Gaïa, le galop. Gaïa au galop, pardon. Du guêpe foreuse. Je me rends pas compte du coup tout dans quoi ça rentre, mais c'est des niveaux 5. Peut-être que ça peut rentrer dans du cyber dragon. À voir. Le potane rouge. Et derrière, on a le chevalier noble ogier. Très belle carte, très bel artwork, ça fait plaisir. Réparation, Froureur, Renaissance, Spirale, DD Mal et DD Arche. Vous voyez ce que je vous disais, j'ai l'impression que les cartes se suivent. Je ne sais pas si, enfin peut-être que ça sera que mon ouverture, mais pour les autres qui font des ouvertures, dites-moi un petit peu, ou qui auront fait des ouvertures, dites-moi ce que vous en pensez. Faux du lutin tranchant. Derrière, on a appareil amorceur non autorisé, le potane rouge, décidément, on l'a vraiment beaucoup, la guêpe foreuse, et deuxième, secrète. Eh bien, on aura fait tomber les deux secrètes de cette boîte-là. Ok. C'est la gouttelette de l'interdit. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Fusion spirale, le petit pot artiste, les découpés et le cache-cache Melfi. Alors, on continue. Du coup, il nous manque des ultras maintenant, si je ne me trompe pas. À moins que le ratio de la boîte soit buggé, ce qui est possible, puisqu'on a eu quand même pas mal il n'y a pas très longtemps, le petit dauphin peluchimal. Dauphin qui fait plaisir. Dauphin, c'est une très bonne carte. Ange déchu, Nergal, le petit Feni Melfi, Gaïa au galop. Et derrière, on a Gaïa, le chevalier magique. Franchement, je sais pas si c'est ma nostalgie qui parle ou je ne sais quoi, mais vraiment, ces artworks-là, je les trouve incroyables. Du Supralourd, ça me fait plaisir, puisque je suis en train de craft un deck Supralourd, j'ai même échangé avec des abonnés, des decklists, etc. Et le support Supralourd, il fait plaisir. Robot Endormeur, deux larmes nobles Inferno, et le petit Confrontation Dogmatica. Alors, continuons. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est vis-à-vis de la display, je sais juste qu'on a déjà fait tomber deux secrets. À partir de là, Dogmatica, ce nom est horrible à prononcer. Nexus, Lampe, Draton, le faux, à nouveau la faux du lutin tranchant. Momie, Melfi, incroyablement mignonne cette carte-là. Et derrière, on a une Link pour les guerriers anciens. On a le Sentence Dogmatica, Fusion Spirale, Corne d'Olifan et l'arme haute claire des Infernes Nobles. On aura eu deux secrets liés aux anges déchus, du coup, si je me trompe pas. Le capitaine Roland, très joli. Dogmatica Théo, le point de fer. L'appareil amorceur non autorisé. Ange déchu capricieux. Elle est très très belle. Je crois que ça fait partie. J'ai un doute sur les prismatiques, mais sur les Starlight, mais je crois que ça fait partie des Starlight. J'aurais préféré l'avoir en Starlight. Mais bon, elle est quand même très très jolie. Je suis content de l'avoir. Cache-cache Melfi, acteur des Abysses, Fureur du Kaiushin. Et réparation Froureur. Alors, le dauphin peluchimal qui fait plaisir, du mégalithe, la petite main du tonnerre, le lapis Melfi, en ultra, il est quand même vachement plus joli, et derrière, on a une première ultra, pareil, je crois que ça fait partie des Prisma, enfin des Starlight, pardon, je sais pas pourquoi je veux dire prismatique à chaque fois, mais c'est du Dogmatica, Ecclesia, la vertueuse, elle est très jolie, vraiment, ces artworks-là sont très très beaux. Du petit Supralourd, la Nation Dogmatica, Maison pour Melfi et le robot Endormeur. Alors, Malédiction du Dragon, Pony Melfi, Lampe Draton, Gaïa au galop et derrière on a Blizzard. Blizzard, je vous laisse lire l'effet rapidement. Tac, le macro est infernal, vraiment le macro est infernal aujourd'hui. DD Arche, Confrontation Dogmatica, le Jeu du Loup Melfi et Cercle du Dragon Divin. Combien nous reste-t-il de boosters à ouvrir? Parce qu'une display, c'est beaucoup de boosters quand même. Hein. Tac. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah mais on en a à peine fait la moitié. Et par contre, on a fait la moitié, on a déjà fait tomber deux secrets, quoi. Elles sont vraiment tombées au début. Pour le watch time, c'est pas bon du tout, ça. Je vous taquine, évidemment, avec ça. J'ose espérer que, vu qu'on a fait tomber des secrets dès le début, on ait une petite carte cool vers la fin. Ange déchu, gâté, faux du lutin tranchant, Astolfo, chevalier noble infernal, Mogis infernal,
et le premier ange déchu. Et bien décidément, on sera servi en ange déchu dans cette ouverture. Soulèvement de l'ange déchu, saga des guerriers anciens, Dédé Arche et fureur du Kaioshin. Pardon. Alors, Lapi Melfi, la guêpe foreuse qu'on a eu plein de fois, Potane Rouge, Ange déçu Nergal, et derrière on a l'artillerie tortue catapulte. Décidément, on a plein de cartes en ultra qui sont liées à Yugi en fait, tout simplement, avec le petit Gaïa pour commencer. Puis la tortue catapulte, on connaît quoi. Sentence Dogmatica, cloche lien, je sais pas pourquoi j'ai voulu rajouter un che, Renaissance spirale et réparation. Froureur, je sais pas combien il nous reste d'ultra ou de secret, je sais pas combien on a fait tomber d'ultra en fait, tout simplement. Fanny Melfi, le capitaine Roland, la baleine cruelle Froureur, le petit Ful mégalithe, je sais pas comment ça se dit, le pupi Melfi, il est trop mignon. Le Renaissance spirale, Fureur du Kaioshin, Dédé Mal et le cloche lien. Continue, j'ai pas lu l'effet de cloche lien, mais je crois que c'est assez intéressant, je suis pas sûr. Dogmatica Nexus, Baleine Cruelle Froureur, le l'appareil avanceur non autorisé, Ange déchu gâté, et derrière, on a une magie, la joyeuse arme noble, chevalier noble, arme noble inferno, pardon. Jarre Froureur, découpé, jeu de loup, du loup Melfi, et des charges spirales. Allez, on enchaîne. Ah là là, je suis content d'ouvrir cette boîte-là. Franchement, il y a plein de belles cartes cool, genre le dauphin peluche mâle, ça me fait plaisir. Voilà, je suis content. Franchement, c'est bête et méchant, mais je suis content. Main du tonnerre, Potane Rouge, et derrière, on a le petit Dogmatica, Adin l'illuminé. Je sais pas si c'est cool ou pas d'être illuminé, hein. Vraiment, pour le coup, je me rends pas compte. Dédé Mâle, la Xyz 1, 6 Samouraï, le Dédé Arche, et des charges spirales. On arrive sur la fin des boosters. Peut-être qu'on aura une ultra dans les derniers boosters. Je me rends pas compte du tout. Alors, Astolfo, Chevalier Noble, Ful, Mégalithe, Ange déchu, Capricieux, Momi, Melfi, et derrière on a une super qui est Magellancia, la Cité Profondeur. Je pense que c'est une carte qui doit être pour les hauts, je suppose, en tout cas vu les artworks. Je connais pas l'effet, donc si vous le souhaitez lire, tac, je vous laisse mettre sur pause et lire ce qu'il en est. Cache-cache Melfi, Acteur des Abysses, Sentence Dogmatica et Maison pour Melfi. Je cache pas que là, les communes, je les rush un petit peu parce qu'on est sur la fin de la vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est plus les ultras ou les super qu'on n'a pas encore vu. Baleine, Cruelle, Froureur, Momi Melfi, Fanny Melfi, La Guêpe Foreuse, et derrière, on a Melfi de la Forêt. Il est trop beau cet archétype. Je pense pas qu'il soit vraiment très fort. Je me rends pas compte du tout. Peut-être que j'ai dit de la merde, hein, c'est grave possible. Mais en tout cas, il est super mignon. Et je pense que c'est un archétype qui peut être très cool à jouer. Acteur des Abysses, Corne d'Olifan, Robot Endormeur et Fusion Spirale. Il nous reste 4 boosters après celui-là. 3 boosters après celui-là. Je pense qu'on a fait tomber toutes les ultras. Dogmatica Nexus, Dogmatica Théo, Diamètre Matmec, Dauphin Polychimal. Du coup, on a largement le playset. Olivier, oui c'est ça, Chevalier Noble Inferno, tac, Cache-Cache Melfi, Nation Dogmatica découpé et Soulèvement de l'Ange Déchu, ouais c'est ça, il nous reste 3 boosters. Hop, Captain Roland, Chevalier Noble Inferno, appareil amateur non autorisé, Revengeur Mechabot, Faux du Lantern Tranchant, et derrière on a le petit Red Raptor Arsenal Faucon. Beaucoup de mal à parler, hein, moi tout de suite, hein. Vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Jarre Froureur, Épouvantail Samouraï, Décharge Spirale et Corne d'Olifan. Allez, avant-dernier booster. Sincèrement, je pense qu'on a que des ultras dans ce qui nous reste. Je vois pas pourquoi il y aurait autre chose. Puisque je pense qu'on a largement. Que des supers, pardon. Je pense qu'on a largement fait tomber le ratio. Malédiction du dragon, le dragon maudit. Le Dogmatica Théo, Capitaine Roland, Diamètre Matmec. Et derrière, on a Block Rule, Vitesse Roïde. Dragon, Cercle du Dragon Divin, Dédé Arche, Arme Noble, Haute Claire et Réparation Fourreur. Dernier booster, c'est quelque chose d'incroyable, il est dans celui-là. Honnêtement, j'y crois pas du tout, parce que j'attends rien en fait, tout simplement. Honnêtement, on a eu une bonne ouverture, on a Onuratio, ce qui est déjà une bonne chose. On a eu 2 belles secrets, bah c'est très très bien. Lampe Draton, le Mogis, Chevalier Noble Inferno, l'Ange Déchu, Nergal, le Pony Melfi, et derrière, Rassemblement de la Vengeance, une petite super, puisqu'il n'y a plus de rares, je le rappelle, dans ces displays. Saga des guerriers anciens, Jarre Froureur, Cloche Lien et Nation Dogmatica. Alors, si on fait un petit ratio, on a eu ça en super, ça en super. Tac, hop. Vraiment, on a fait tomber les secrets au tout début de la vidéo, du coup.
Alors par contre, je ne trouve que 3. Ah non, elle est là. Ah ben c'était là. On a fait tomber une ultra dès le début. J'ai même pas fait gaffe en fait. Donc voilà, nos quatre ultras, Melfi de la forêt qui fait plaisir, Atter, Toku, je vous cache pas que pour le coup c'est pas ce que j'attendais le plus. Par contre celle-là c'est une belle carte, j'en suis content. Et ça surtout, je la voulais, voilà, je la voulais, je voulais la récupérer pour mettre dans mon deck Rika, et bien je l'ai fait tomber. Et deux petites secrets, c'est du l'ange déchu, c'est full ange déchu, et bien écoutez, ça fait plaisir. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. L'ouverture n'était pas incroyable, mais on a passé un bon moment. Et personnellement, je suis assez content de ce qui est tombé. Je pense sincèrement que je vais me faire un petit deck ange déchu. J'ai un Morningstar qui traîne depuis longtemps dans mes classeurs. Ça serait peut-être l'occasion de le dépoussiérer et de faire un deck, puisque le support a l'air très cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce, votre abonnement, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire le nombre de Starlight incroyable que vous avez fait tomber, vous, dans les boosters. En tout cas, je vous le souhaite grandement. Prenez soin de vous, fan de nos duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao!